Bonjour Tiffany, à l'une de l'actualité, évidemment, ce déraillement et pas de nouvelles victimes dans les décombres de ce train qui est derrière en gare de Brétigny-sur-Orge. Hier soir, les secours ont fouillé les carcasses des wagons. Toute la nuit, le bilan est toujours de 6 morts, 8 blessés graves, 22 blessés légers. Le train doit être dégagé dans la matinée. Nous serons en direct de la gare de Brétigny-sur-Orge avec Julia Delage dans un instant. Trois enquêtes ont été ouvertes après cet accident ferroviaire grave et sinon, ce n'est pas un problème humain, affirme ce matin le ministre des Transports Frédéric Cuvillier. Les wagons avaient été vérifiés, mais les policiers...